Rebonsoir. Et maintenant, le dernier secret de cette soirée. Passons à l'élimination d'une équipe. L'équipe rose, vous avez perdu deux candidats, vous êtes l'équipe avec le moins d'habitants. Ceci est évidemment une faiblesse, mais cette faiblesse vous sera-t-elle fatale? L'équipe jaune, vous avez perdu un candidat. Vous semblez soudé, motivé et déterminé. Par contre, certains mettent l'avenir de l'équipe en péril. Ceci vous sera-t-il défavorable? L'équipe bleue, vous êtes au complet. Est-ce que le trop de confiance va ruiner l'avenir des Bleus? Réponse dans quelques secondes. L'équipe sauvée, celle qui a la plus grosse cagnotte. L'équipe sauvée d'office est... L'équipe rose. L'équipe qui quitte le jeu est... L'équipe bleue. Logan, Valentin, Cyril, Ayomé, Mehdi et Fatima, l'aventure se termine pour vous six. Vous pouvez rejoindre Camille sur le plateau. Avant d'accueillir nos éliminés de ce soir, voici un petit magnéto avec nos finalistes. Les éliminés de ce soir sont arrivés. Veuillez accueillir les noms. Voici le gagnant.
Mathilde, comme il sait bien, Fatima. Voici Valentin. Logan, vous quittez le jeu en laissant Mélanie avec 9 autres candidats. Vos impressions ? Je suis content. Je veux l'avoir gagné, donc je ne suis vraiment, mais vraiment pas déçu de partir. Fatima, votre public ne pourra pas vous soutenir pour la finale. Pensez-vous que l'élimination de votre équipe est justifiée ? Mon sexy public ne pourra pas voter pour moi, j'en hurle. Quand je vois que Sully et Paul sont en finale, c'est juste pitoyable. Il suffit d'acheter 2 plantes vertes et on les remplace. Faites gagner Noah tant qu'on y est. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Cyril, votre rapprochement avec Mélanie était-il stratégique ? Oui, je peux le dire maintenant, j'ai quitté le jeu. Mélanie ne m'attire pas du tout. Si j'ai fait ça, c'était pour avoir une partie de son public. Valentin, d'après vous, quels sont les candidats qui ont le plus de chances de gagner ? Sans hésiter, Kenza, Sully, Jasmine. Perso, j'espère qu'un garçon va remporter cette aventure. Ayomen, selon vous, quel est le candidat le plus hypocrite ? Honnêtement, il n'y en a pas qu'un. Je dirais quand même. Pierre. Il est beau, et il en profite trop. Mehdi, cette fois-ci, vous quittez réellement l'aventure. Vous regrettez de ne pas avoir changé d'équipe ? Oui, énormément. Tant pis pour moi. Merci à vous six d'avoir répondu à mes questions. On se quitte avec la villa. Rendez-vous la semaine prochaine pour une grande finale avec des invités d'exception. Yeah.